politiquement. Hello, Mohamed Dalal from Algeria, newspaper. Une question d'Algérie. Je voudrais poser une question à Will Smith. Quand on vous a téléphoné pour vous dire que vous étiez accepté au jury de Cannes, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous vous êtes dit, oh, j'ai pas le temps, j'ai un film à faire, etc. Qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous pensé? Et préférez-vous être dans le jury ou en compétition avec un film? Quand on m'a téléphoné, j'étais vraiment très, très intéressé. C'était absolument exceptionnel. Et j'ai tout de suite répondu oui, j'ai envie d'être à Cannes. Ça dure 2 semaines. Attention, attention. Non, c'est 10 jours. Bon, alors ça va. Et tu verras 2-3 films par jour. Alors j'ai dit bon. 2 à 3 par jour, c'est possible, je peux y arriver. La dernière fois que j'ai vu 3 films dans la même journée, j'avais peut-être 14 ans. Et 3 films par jour, c'est beaucoup. Donc, je suis très impatient de commencer. Et un film à 8h30 le matin, on en a parlé entre nous aussi. Tous les soirs, je vais me coucher tôt, je prends les choses au sérieux et je serai à 8h30 le matin prêt pour voir le film. L'autre question, c'était. Non, je préfère être dans le jury. Être au jury, c'est amusant. On est là avec des gens sympas. Et en compétition, on ne dort plus. On est angoissé. On essaie de voir, de deviner ce que pensent les membres du jury. S'il y en a un qui se gratte la tête, on se dit zut, c'est raté. Être au jury, c'est fantastique. Je remercie les 3 interprètes qui étaient ici avec nous. Next, assise à côté de M. Almodovar, Mme Massoumé Lahidji, qui traduisait aussi bien en espagnol, si je comprends bien, qu'en italien. À côté de Mme Fan Bingbing, M. Maïdan Aina, se prononce très mal, Aina Ware. Et à côté de moi, producteur et traducteur, Monsieur Won Cho Jong. Yes. Merci à tous. Thank you very much.